Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je commence. Déjà, je suis désolée, je suis bien malade. J'ai chopé une bonne bronchite et du coup, j'ai pas fait de vidéo. J'étais trop pas bien. Et bon, là, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore la grosse forme. Mais bon, voilà. Je me suis dit, j'avais préparé ça depuis un petit moment. Je vais le faire et comme ça, voilà. Alors, on va faire une petite décoration printanière, je dirais, avec des vraies plantes. Donc j'avais cette petite caisse là, vous savez, c'est ma fille qui me les avait ramenées. J'en ai trois, donc j'en ai pris une, je l'ai peint tout en marron. Et du coup, je vais faire une décoration florale. Alors j'ai mon style, voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, vous puissiez bien voir. Mon idée toute simple, et je me suis dit, ça à offrir en cadeau, ça peut être une très bonne idée. Donc, voilà, je vais déjà commencer. Là, dans un petit seau, j'ai mis alors, je sais plus le nom de. C'est des petites plantes et des petites fleurs qui rampent. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Ça fait des petites fleurs un peu violettes et c'est super joli. Et donc, j'ai tout mis dans un seau. J'ai mis une petite dentelle. J'ai mis une ficelle. Dans ma caisse, j'ai fait deux trous. Donc, je vais passer mes ficelles dans les trous pour pouvoir y attacher sur le dessus. Si j'y arrive, alors naturellement, je vois pas ce que je fais, alors c'est embêtant. Hop. Je peux pas trop y pencher parce que vu que c'est des vraies plantes et de la vraie comment terre. J'ai pas envie de tout faire tomber. Il faudrait que je vais y mettre un peu de colle pour durcir là au bord. Faire attention de ne pas me brûler. Comme ça va durcir mon bord. Peut-être que ça passera mieux. Voilà. Là, prends ça. Ça m'évite de tout poser. Et normalement, là, ça devrait être bon. Avec un peu de patience. Voilà. Comme quoi, mon idée n'était pas bête. De durcir le bord, au moins, voilà. Bon, là, mon pistolet à colle n'est pas très chaud, donc ça va, mais quand c'est de la colle chaude, hop. Voilà, je vais prendre comme ça. Donc là, je vais faire un nœud. Que ça tienne bien. Là, je vais mettre un peu de colle. C'est embêtant, vous voyez pas tout. Oui, bah là, il y a mes mains. Donc là, je mets un peu de colle sur ma ficelle pour que ça tienne bien. Je vais couper ma ficelle. Voilà. Et là, pour cacher mon nœud qui est là, je vais y mettre un petit oiseau.
je mets de la colle. Et je mets mon oiseau dessus. Comme ça cache mon nœud de la ficelle en fait. Voilà, comme ça. Ensuite, j'avais une tasse, une petite tasse là, comme ça. Et du coup, j'ai mis de la ficelle autour parce que je trouve que ça fait joli. Et je vais lui mettre là dans le coin. Comme ça. Voilà, hop. Donc, je vais. Mes plantes là, il faut que je leur donnerai à boire parce qu'elles ont un petit peu soif. Donc, je vais coller juste un petit peu là. Je veux pas trop fixer pour qu'elle puisse tout récupérer parce qu'elle, je sais qu'elle va y planter dans des plus grands pots de terre. Donc voilà. Ensuite, ma petite sœur, c'est pour offrir à ma petite sœur. Hein. Ma petite sœur, elle adore les escargots. Je lui ai fait un escargot comme ça, la pâte. Comment d'action là et du coup je l'ai colorisé, je lui ai mis des perles, je voulais faire un petit escargot un peu rigolo et du coup je vais lui mettre là sur le bord de la tasse. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit pot comme ça avec des fleurs artificielles. Et mon idée, c'est de le faire passer là. Là, j'ai fait deux trous pour qu'il pende comme ça. Ça fasse un petit peu de déco. Donc, je vais déjà passer ma ficelle, ce qui est plus simple là parce que c'est en face de moi, donc ce sera moins embêtant. Voilà. Là, je vais coller juste un petit peu pour que ça tienne le temps que j'attache. Comme ça. Et comme ça, là, je fais passer ma ficelle. Sauf que je vois plus mon trou. J'aurais peut-être dû passer la ficelle dans le trou d'abord. Là. Voilà, comme ça. C'est juste pour, je dirais, de la déco. Donc derrière, je fais un petit nœud. Et je vais mettre un peu de colle, que ça se tienne bien. Voilà, discrètement. Et je vais couper ma ficelle. Non. Un petit peu de colle sur le nœud. Et voilà. Excusez-moi. Alors j'ai des quintes de toux. Quand ça me prend, c'est. Ouh là là, c'est horrible. Ensuite, dans un petit arrosoir que j'ai décoré, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis un petit papillon. C'est que des vraies plantes. Donc ça, c'est un ficus, ça, c'est un arôme. Et ça, je ne me souviens plus. Donc, je vais mettre mon arrosoir là comme ça. Hop. Voilà, un petit peu comme ça sur le côté. Donc, c'est pareil, je vais le coller. J'aime bien cette idée-là. Voilà, comme ça.
Ensuite, là, je lui ai préparé un autre petit pot. Alors, j'ai mis un petit rondin, comme ça, en dessous, et des fleurs artificielles. Parce que, bon, je ne peux pas mettre que des plantes. Hein, et je vais le mettre ici. Je retourne un peu parce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et là, pour cacher un peu le vide qui est là, alors je suis partie un petit peu sur des touches violettes. Parce que ma soeur aime bien le violet comme moi. Donc là, Pamela m'avait envoyé des petits cœurs comme ça, et là, je vais le mettre là. Hop. Je vais le mettre là dans le milieu. Voilà. Là, je vais lui mettre une petite coccinelle qui se promène là sur le seau. Je vais le mettre juste là sur la anse. Et voilà pour ma petite déco jardinière qui est toute simple. Et du coup, je vais l'offrir à ma petite sœur et je suis sûre que ça lui plaît. Donc voilà, ça peut donner une idée pour la fête des mères, pour offrir un cadeau à un anniversaire. Voilà, vous achetez des petites plantes que vous mettez dans différents. Accessoires, et je trouve que tout de suite ça fait joli. Peut-être que là je vais rajouter pour combler le vide, là je vais peut-être lui rajouter un petit pot en miniature ou un petit bouquet de fleurs comme ça, juste comme ça, et pour voilà, pour cacher. Je vais y réfléchir et je vais bien trouver quelque chose à lui mettre pour combler ce vide. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo printanière vous plaira, que ça vous donnera des idées. Après, il y a plein plein de petites plantes qu'on peut acheter, de petites fleurs et autres. Mais moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Et vous savez, l'hiver, les caisses de mandarines, voilà, c'est, vous en gardez une, ça vous fait une idée déco, et je trouve ça super joli avec pas grand-chose en fait. Ça, c'est que des plantes que moi j'ai, que j'ai fait des boutures et que je savais que ça allait j'allais lui en donner. Et du coup, voilà, j'ai mis dans des pots différents et ça m'a coûté pas grand-chose. Hein, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et bon week-end. Au revoir.